Allez, salut, 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 voilà, c'est toujours Moulsam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Vous venez juste de connaître cette chaîne YouTube, essayez de me donner un pouce bleu, essayez de liker ma vidéo avant de pouvoir suivre cette vidéo-là. Voilà, donc aujourd'hui, je suis juste là pour vous présenter une bourse que j'ai reçue, voilà, et c'est la bourse de l'université de quoi? De Saint-Gallen. Donc, n'oubliez pas, Saint-Gallen, c'est en Suisse. Donc, c'est une bourse suisse, alors j'aimerais un peu exhorter tous ceux qui veulent vraiment postuler à cette bourse-là de le faire. Voilà, parce que c'est une bourse qui est très importante. Et pour ceux aussi qui veulent étudier déjà en Suisse, c'est une bonne opportunité. Voilà, donc c'est en même temps une admission et en même temps une bourse. Donc pour ceux qui veulent vraiment aller y étudier, même de leurs propres moyens ou bien aller étudier avec une bourse, c'est le moment de postuler à cette bourse-là. Et on va voir un peu rapidement, dans un premier temps déjà, les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler. On a quoi? On a toujours le passeport, comme d'habitude. Voilà, on a le passeport, on a le diplôme plus le relevé. Et j'aimerais ajouter encore que cette bourse-là, ça concerne la licence et le master, mais en priorité la licence, c'est-à-dire ceux qui veulent juste, qui ont déjà le baccalauréat et qui vont postuler directement pour la licence dans cette université. Voilà, donc c'est un peu ça. On va aller voir un peu rapidement. Comme je le disais, les éléments dont vous avez besoin, on a quoi? On a le diplôme, plus le relevé de notes. On a aussi le passeport. Voilà. Vous devez au moins ajouter une photo numérique si vous avez une photo. Voilà, ça sera lors du remplissage. Voilà, donc dans un premier temps, vous savez déjà comment ça se passe avec les sites. C'est toujours l'histoire d'aller d'abord s'inscrire sur le site et après cela vous allez postuler pour l'admission et chercher à avoir la bourse. Voilà, mais dans un premier temps on va d'abord essayer de voir comment est-ce que se passe l'admission afin de vous apprêter, afin de réunir tous les documents et puis aller postuler. Donc comme je répète encore, comme je vous le disais, la bourse concerne à 90% la licence. Voilà, et mais les masters aussi peuvent postuler. Ceux qui sont en master ou doctorat aussi peuvent postuler. Donc vous venez dans ici dans les normes, c'est study. Donc vous venez dans admission ici. Donc si vous venez dans admission, vous allez voir un peu les programmes pour la licence, les programmes qui y sont. Là comme ça, si vous avez des programmes qui vous intéressent, vous pouvez vérifier et puis vous allez essayer de voir et postuler. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ici par exemple comme ça, je vais vous montrer un peu les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler. Donc ici, formation en Russie, formation à l'étranger, ça c'est pour ceux qui viennent de l'étranger. Donc pour ceux qui viennent de l'étranger, ici vous devez montrer un peu un diplôme étranger de fin d'études secondaires supérieures doit être essentiellement équivalent au certificat de maturité suisse. Ça c'est une mauvaise traduction, mais c'est votre diplôme doit être équivalent au diplôme suisse. Voilà, donc c'est pas un problème. Et avant de postuler, veuillez vous renseigner auprès de voilà pour connaître les diplômes étrangers de fin d'études secondaires reconnus par pays. Veuillez également vous assurer que les conditions d'admission respectives de l'université de Saint-Gall sont respectées. Vous trouverez ici un résumé. Vous, si vous voulez, vous pouvez vérifier là pour pouvoir savoir quelles sont les équivalences. Mais ici chez nous, avec nous, c'est pas assez important. Après, vous allez voir comment est-ce que ça se passe vraiment pour ceux qui sont vraiment intéressés. Voilà, pour ne pas que la vidéo fasse assez de temps, je vais essayer un peu de vous montrer un peu comment ça se passe. Et avant de pouvoir continuer pour postuler, pour vous montrer un peu comment ça se passe pour que vous aussi vous puissiez postuler, je vais mettre le lien comme ça en commentaire. Pour ceux qui veulent me devancer, vous pouvez me devancer parce que vous savez déjà que moi je fonctionne avec un programme. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, donc, comme je disais, ici, vous devez faire preuve de compétence de langue. Vous n'avez pas besoin de présenter une preuve de compétence linguistique, excusez-moi, de compétence linguistique lorsque vous postulez. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre maîtrise de la langue d'enseignement est suffisante pour vous permettre de mener à bien vos études. Le niveau recommandé au début de l'étude est au moins C1. Du cadre européen commun. Donc ça veut dire quoi? Ici je vous explique, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de présenter un TOEFL, Duolingo ou bien SS et tout ça. Voilà, mais lorsque vous allez choisir par exemple votre faculté et que votre faculté s'exprime en français ou bien s'exprime en français, vous devez être certain que vous comprenez le français pour pouvoir faire ces études là-bas.
Si c'est en anglais, vous devez être certain que vous maîtrisez l'anglais. Vous n'êtes pas obligé de leur soumettre un document en anglais qui dit que vous maîtrisez l'anglais. Vous-même, vous devez savoir que vous maîtrisez l'anglais. Donc, c'est ce qui est là, c'est ce qu'on vous dit là. Donc, après cela, test d'admission pour le candidat étranger. Pour le test d'admission, le nombre de places universitaires pour le candidat étranger est limité par la loi. Voilà, donc, vous comprenez, c'est limité par la loi. Donc, c'est à eux de voir s'ils vont, ils vont distribuer pour la licence 100, 100 bourses ou bien 200 bourses. Voilà. Mais pour le moment, ici, il n'y a pas de. Il n'y a pas comme ça de nombre. Voilà. Donc, lorsque vous allez passer, vous serez sélectionné à même titre que tous les étudiants étrangers. Et je vais vous indiquer un peu la chose que vous ne voulez pas voir. Je sais que vous ne voulez pas voir et personne ne veut voir ça. Le programme d'études commence au semestre d'automne. Voilà. Donc, au plus tard en septembre. La demande se fait en ligne. Les frais de dossier s'élèvent à 250 CNF. Voilà, 250 CNF. CHF. Voilà, c'est en francs suisses. Mais vous pouvez faire l'équivalent. Vous pouvez faire comme ça l'équivalent. C'est un exemple que je donne pour ne pas trop aller sur Google pour aller vérifier tout ça. Vous pouvez faire l'équivalence comme ça à 250 euros. Vous comprenez? Voilà, parce que lui, il est plus élevé que l'euro. Donc, vous pouvez faire comme ça l'équivalence à 250 euros. Donc, il y a un peu d'approximité. Je vous prends un minimum de 250 euros. Donc, maintenant, pour ceux qui veulent savoir, vous pouvez aller sur Google. Vous allez chercher à traduire tout cela en euros ou bien en francs CFA. Et la période de candidature, c'est du 1er au 30 avril, du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022. Donc pour ceux qui veulent postuler, vous savez déjà comment est-ce que ça se passe et puis comment faire pour pouvoir postuler et puis aussi quels sont les éléments dont vous avez besoin et puis aussi la date limite, vous savez tout. Voilà, donc on va aller rapidement pour voir un peu comment est-ce qu'il faut postuler et puis si on veut postuler on vient directement ici. Maintenant, ici, on vient documents à soumettre pour par voie électronique. On voit les documents un peu rapidement. Ok, donc veuillez conserver les informations et documents suivants à portée de main pour les télécharger. Donc voici les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler. Donc comme je vous le disais, il y a une photo numérique. Voilà, signé conditions générales et code de conduite. Ça, c'est, je dirais comme ça que. Ça, c'est un casier judiciaire. Si vous l'avez, ça serait très important. Si vous ne l'avez pas aussi, ça va vraiment aussi demander. Passeport ou carte d'identité. Mais je vous conseille vraiment de chercher un passeport. Voilà. Passeport ou carte d'identité. Et le cas échéant, permis de séjour permanent. Permanent suisse. Ça, je vous conseille très bien que c'est le passeport qui est vraiment primordial. Et la carte d'identité. Si vous n'avez pas le passeport aussi, essayez de postuler avec votre carte d'identité. Ok, mais moi je vous conseille, conseille toujours le passeport. Après cela, vous devez postuler comme ça avec votre CV et voici le modèle de CV qui est là. On va essayer de voir le modèle de CV comme ça. Vous allez télécharger ce modèle-là et puis vous allez postuler avec. Voilà, donc je vais essayer comme ça de voir le modèle. Ok, donc je vous montre le modèle comme ça. Vous allez vérifier. C'est un modèle qui est assez simple. Voilà. Tous les éléments sont en anglais. Ça, c'est un CV. Donc vous allez remplir cela directement si vous voulez de façon numérique. Comme ça. Vous voyez. Voilà. Et vous allez l'imprimer. Si vous voulez aussi, vous téléchargez et puis vous remplissez à la main. Vous voyez ici, ici c'est Assignment Bachelor. Vous comprenez? Voilà, donc ça, c'est pour la licence. Comme je vous le disais, la bourse concerne à 90% la licence. Donc n'oubliez pas cela. Ok, donc après cela, il y a quoi? Diplôme d'études secondaires supérieures étrangers. Si vous n'avez pas votre certificat d'études secondaires au moment de la demande, vous devez le télécharger dès que vous le recevez. Au plus tard, au début des cours. Au début du cours. J'espère que ça, vous comprenez. Pour ceux qui sont par exemple comme ça, ils sont toujours en terminale ou bien en licence 3 qui n'ont pas encore reçu le diplôme. Voilà, vous allez postuler avec les relevés que vous avez. Et lorsque
Si vous êtes retenu, lorsque, avant de commencer le cours, c'est-à-dire avant même d'arriver là-bas, vous devez forcément, si le cours commence par exemple en septembre, avant septembre, vous devez forcément télécharger votre diplôme sur le site pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir participer, pour pouvoir leur montrer, pour pouvoir soumettre votre candidature. Vous comprenez? Soumettre en réalité votre candidature, parce que c'est vrai que vous avez soumis votre candidature, mais c'est incomplet. Mais si vous êtes retenu avec les éléments que vous avez déjà téléchargés en ligne, c'est pas un souci. Après, vous devez soumettre votre diplôme normal. Voilà, donc c'est un peu ça. Certificat des 3 dernières années scolaires, et vous regroupez les certificats annuels et les certificats au dernier semestre dans un seul fichier. Dans le cas du bac international des niveaux A et des AP, soumettez vos notes prévues. Donc ici, comme ça, si par exemple vous avez le baccalauréat, vous allez mettre comme ça les notes finales, voilà, les notes finales de seconde, première et de terminale ensemble, et vous faites ça dans un seul document, je vais dire un document PDF, comme on le fait d'habitude, comme on l'a fait avec la Roumanie et la Russie. Vous mettez ça dans un seul document et vous les soumettez en ligne. Voilà, donc si l'un des documents n'est pas délivré, si l'un des documents, suivez très bien ce qui est écrit ici pour ne pas vous tromper, si l'un des documents n'est pas délivré en allemand, français, italien ou anglais, vous devez également soumettre une traduction certifiée de documents en allemand ou en anglais. Veuillez respecter nos directives. Documents et traductions certifiées. Vous avez bien vu, ils ont bien relevé là, documents et traduction certifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous devez soumettre vos documents, si votre document est en arabe, vous devez traduire en anglais ou bien en allemand. Mais ceux qui ont déjà les documents en allemand, en français, en italien ou en anglais, c'est déjà bon. Vous n'avez pas besoin de traduction. Vous comprenez un peu? Voilà, vous n'avez pas besoin de traduction. Vous téléchargez directement ces éléments-là sur le site et vous participez à la sélection. Maintenant, ceux qui ont un document en russe, qui ont un document en anglais, vous devez traduire ces documents-là en allemand ou en anglais. Et ils ont bien précisé de respecter leur directive. Le document doit être traduit et certifié. Traduit et certifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, vous allez, avec vos documents qui sont en arabe ou bien en russe, au ministère des Affaires étrangères, vous les légalisez tout, tout, tout. Et vous allez maintenant faire une traduction. Vous allez avec la traduction et les originaux au ministère des Affaires étrangères. Ils vont tout légaliser. Vous allez tout légaliser. Et lorsque vous allez finir maintenant, vous allez maintenant à l'ambassade de la Suisse. Et de là-bas, ils vont certifier. Une fois qu'ils certifient, vous venez maintenant sur le site et puis vous les mettez. Ça, c'est pour ceux qui ont les documents en arabe et en russe ou bien une autre langue qui est différente de l'allemand, français, italien ou anglais. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Voilà. Et un seul fichier peut être téléchargé, pas plus. Pas plus, c'est mal traduit. Sinon, vous savez déjà qu'un seul fichier peut être inséré dans ce que vous allez faire lorsque vous allez mettre les éléments en ligne. C'est pourquoi ils vous demandent de mettre les relevés de notes ensemble pour les mettre une seule fois dans un fichier. Vous pouvez utiliser les outils en ligne tels que Online PDF. Voilà, ça c'est pour mettre les éléments en PDF, pour créer des PDF ou pour combiner les éléments PDF. Plusieurs pages en un seul fichier PDF. Donc, je vais essayer de voir un peu ce qu'il propose comme ça vous-même. Ah oui, ça, ceux-là, je les utilise aussi souvent. Donc, vous pouvez aussi les utiliser. Vous mettez tous vos documents dans un seul endroit. Eux-mêmes, ils vont essayer de les mettre dans un seul document PDF. Voilà. Donc, ceux qui veulent utiliser ça aussi, vous pouvez l'utiliser. Vous cliquez là et ça va vous envoyer directement dans votre PC. Vous allez choisir tous les documents PDF que vous voulez. Et lorsque vous allez convertir en document PDF, il va mettre tous ces documents-là. Si ce sont des images, il va mettre tous ces documents-là en PDF. Vous comprenez? Voilà. Donc, on va pas trop tarder dessus. Comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent postuler et puis me contacter inbox, on va essayer de se comprendre et puis on va essayer de postuler pour eux. Voilà. Donc, ici, ils disent quoi? Les citoyens suisses ont besoin de leur numéro d'assurance sociale suisse. Numéro, ça n'engage que là-bas. Nous, on n'a rien à foutre avec cela. Voilà, donc c'est un peu ça. On n'a rien à faire avec eux.
Que se passe-t-il après avoir postulé en ligne? Après avoir postulé en ligne sans test d'admission. Sans test d'admission, voici comment ça va se passer. Nous traitons votre candidature en ligne. Vous déposez votre diplôme de fin d'études secondaires étrangers en ligne. Votre compte d'utilisateur Université Saint-Gall est créé, oui. Vous recevez la facture de frais du semestre et les détails du début de cours. Vous remettez personnellement l'original de votre diplôme de fin secondaire supérieur. Ça, c'est lorsque vous arrivez là-bas. Voilà. Donc, nous, on va pas trop tarder. On va aller directement pour essayer de postuler donc vers l'application en ligne. N'oubliez pas, la date limite, c'est le 30 avril 2022. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ici, par exemple, comme ça, vous venez là et vous faites un start application online. Donc, arrivé là, je mets comme ça en français. Ça, c'est s'inscrit. Et ça, comme vous êtes nouveau, vous devez forcément créer votre compte pour pouvoir commencer à utiliser le profil, commencer à utiliser le site. Voilà. Donc, vous cliquez sur ce qui est en bas. J'espère que vous avez bien vu. Vous cliquez ici, là. Voilà, pour pouvoir créer votre compte avant de chercher à postuler. Voilà, donc c'est le site qui est là. Voilà, c'est le site qui est là. Et on va essayer de créer notre compte. Comme ça. Donc j'espère que vous suivez. Vous savez déjà que moi je prends des noms un peu dans le hasard. Donc c'est pas aujourd'hui que vous savez tout ça. Je vais prendre des noms comme ça. Donc le prénom. Ok, et le nom de famille. Votre entrée a été corrigée automatiquement. Veuillez, ok. Et ici, le mail, je vais mettre le mail que j'ai déjà. N'oubliez pas, mettez votre mail. Ok, ici c'est le mot de passe. Donc je vais mettre mon mot de passe. Je commence toujours mon mot de passe par une lettre majuscule. Ou bien si vous voulez, si vous prenez le mot de passe qui est là, mais moi ça ne m'intéresse pas pour ne pas oublier mon mot de passe. Donc essayez de mieux postuler comme ça. Mot de passe, on me dit le mot de passe est trop court, donc je vais ajouter. Ok, ça passe. Ici, je confirme le mot de passe. Ok, une fois que j'ai fini, je vais ici saisir le catch-up qui est là. Et je comprends et j'accepte, vous cochez ce qui est là. Voilà. Et maintenant, on va essayer de créer le compte. S'il y a un souci, ils vont nous dire, on va les rectifier. Donc, je vais essayer de créer le compte. Ok, enregistrer ici. Donc, je vais mettre en français comme ça, vous allez lire avec moi ce qui est là. Votre compte a été enregistré avec succès. Un mail a été envoyé à Mondo. Veuillez suivre les instructions du mail pour activer votre compte. Donc, en raison des filtres anti-spam, la réception de l'email peut prendre quelques minutes. Si vous ne recevez pas d'email dans les 10 minutes, veuillez vérifier votre dossier spam. Donc, en réalité, ça peut taper au moins 10 minutes ou bien ça peut venir actuellement. On va aller voir rapidement. On va aller voir rapidement si on l'a reçu. Donc, je vais comme ça dans mon mail pour aller voir si je l'ai reçu. Si je ne l'ai pas reçu, je vais devoir attendre au moins 10 minutes comme ça pour pouvoir recevoir mon mail.
Donc, je vais comme ça dans mon mail pour aller voir si j'ai reçu. Voilà, je crois que cette fois-ci, c'est venu automatiquement. Donc, on sera pas obligé d'attendre au moins 10 minutes pour pouvoir recevoir. Parce que je vois que le premier message qui est là, je crois que c'est ce message-là. Donc, voilà. Il voit que c'est ce message-là. Donc, il voit que ça va aller, ça sera un peu rapide. Je vais traduire comme ça en français. Comme ça, on sera. Voilà, vous recevez ce mail quand vous avez créé un compte. L'adresse email est ça. Pour terminer l'activation du compte et commencer à utiliser votre TAC, cliquez sur le lien qui est là. Donc, le lien ci-dessus n'est valable que 5 jours. Voilà, donc dans 5 jours, si vous ne confirmez pas votre email, voilà, ce lien-là ne sera plus valable. Donc, nous, on va cliquer ce mail-là pour se retourner sur le site. Et de là-bas, maintenant, on va, voilà, your email address was successfully verified and your switch ID account is now activated. Donc, ici, c'est déjà activé. Alors, on va retourner maintenant sur notre plateforme et essayer maintenant de postuler normalement comme il se doit et aussi de chercher notre admission et postuler à la bourse. Voilà, donc c'était un peu ça. Je vais mettre le lien en commentaire. Et puis, après cette vidéo-là, je vais essayer de commencer. Comme ça, vous allez commencer aussi pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Les gars, c'est vraiment très important pour ceux qui veulent postuler. Essayez de postuler sur la bourse de Suisse. Voilà, vous n'êtes pas obligé de traduire des documents, seulement que les documents qui sont en arabe ou bien en russe ou bien dans une autre langue que le français, l'italien, l'anglais, voilà, et l'allemand. Donc, essayez de postuler à la bourse parce que c'est une bonne bourse. Ok, donc c'était moi, Samospita, et à plus, les gars.